Rust, après un mois sans jouer au jeu, mon rêve des 100 000 abonnés venait de se réaliser et l'heure de reprendre du service allait avoir lieu. Vous allez voir que j'ai moi-même été surpris par ma reprise qui va encore une fois créer une toute nouvelle histoire. Une aventure en duo accompagnée de mon acolyte de toujours, Sauce Algérienne. Et face aux ennemis que nous rencontrerons, notre cohésion était plus que nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Mais juste avant notre histoire, mon sponsor Oil.gg est toujours là. Ça faisait quelques temps que je vous en avais pas parlé et leur site s'est vraiment pas mal amélioré. Niveau design, il est encore plus stylé et le coinflip ainsi que le jackpot sont toujours présents pour ceux qui souhaitent s'aventurer à la conquête de skins. Ils ont également mis un nouveau jeu qui se rapproche fortement de la roulette et ce sont les plus stratégiques qui s'en sortiront. Je rappelle quand même que c'est un jeu où vous pouvez certes gagner, mais vous pouvez également perdre beaucoup donc faites attention. Je vous mets également mon code Raven pour ceux qui veulent des avantages. Sur ce, place à notre aventure. Non. Oh putain, le jeu. Oh, il est hyper clair, mon jeu. Ah ouais? Oh, c'est quoi à droite? Ah ouais, mais ça, j'avais pas vu ça aussi, les trucs à droite. Quel truc à droite? Oh, je sais pas, il y a un truc noir à droite, vas-y, je m'en fous. T'es en jeu là? Ouais. Il y a un bandit quand? Est-ce qu'il y a une. Je spawn tout à gauche. Je vais essayer de run. De toute façon, comme d'hab, je t'attends. On avait dit le lunch, je crois, non? Ouais, on avait dit. Airfield, supermarket, outpost, lunch, genre vers là-bas, tu vois. Ouais, on aura de quoi raid, tout ça, rapidement. Bah, c'est YBP, du coup, faut qu'on se dépêche, tu vois. Et franchement, on essaie de faire des labs. Ouais, il tape. Ok. Parfait, je me fais direct arc. J'ai déjà des flèches en os, je peux m'en faire 4. Je suis en train de me connecter là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, lui c'est fait, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait rien pour recycler. Et l'autre, je crois que c'était l'autre qui avait tout. Hein. Ok, nice. Ok, j'ai pas perdu mon shoot à l'arc, c'est nice ça par contre. On va PC, ça va donner pas mal de. Pas mal de compos. Oh merde. Là, je suis mort. Oh, let's go! Putain, je pensais que j'allais die. Oh, ça, je viens de faire un move. Ouais, mon retour démarre plutôt bien. Je m'excuse d'avance pour ma voix, ça fait une semaine que je suis malade, donc si elle est bizarre, c'est normal. Bref, mon start commençait parfaitement bien, et je ne vais pas perdre de temps pour sortir du port, et avec les scraps récupérés, je décide d'aller chercher un bateau pour rejoindre au plus vite mon mate. On connaissait déjà la pose où l'on souhaitait s'installer, donc à nous de jouer. Fais gaffe de pas te faire voler ton bateau, hein. Y'a full naked qui spawn ici. Je vais enlever Lolo. C'est moi là. Vas-y, je t'ajoute. Tiens, arc, cuir, tissu. Et flèche. Merci, frère. Je vais vers. Ouais, T3, T3U3, non? T3U3? Ouais. On va farmer ici. Au pire, le bateau, je le laisse là, hop. Y'a moi, t'as pas de la pierre pour que je me fasse une pioche? 175. Ok.
tiens. Merci beaucoup, monsieur. Vas-y. On y va ? Vas-y, on y va. On va essayer de build. Du coup, pause. On va essayer de build. Ici, c'est dommage que ça, ouais, c'est ici, parfait, ça serait bien. Ici, ça serait parfait parce qu'on a les trois. Ah ouais, on a le triangle des Bermudes. Il y a un mec juste devant, fais gaffe. Il farm. Oh ! Il m'a mis une teuté. On bouge ? Ouais. Casse-toi, casse-toi. Oui. Bah viens, on va build, tant pis, hein, Nick. J'y crois, t'en as un truc. Ouais, il farm devant. Il est là. On le tente ? Tu veux ? Vas-y. Ah, t'as laissé le farmer. S'il vient vers nous, on joue, mais sinon, non. Vas-y, go. Hein. 3, 2, 1. Headshot ! Headshot ! Bien joué, gros ! On peut pas le looter, c'est ça le problème, tu le vois ? Ouais. Il loue ce corps ? Non, non, sur moi. Je peux jeter quoi ? Carte verte, putain, nice. Viens, jeter. Aime-moi, gros, attends, pioche. Moi, je jette mes bandages. Viens, on bouge, va se ramener. Tu veux build ici quand même ? Je peux pas build ici. Moi, j'ai 20 HP là. Oh, mec, tiens. Faut build un truc, frère. Hein. T'inquiète, je vais build. Jette ta pierre si tu veux. Bon, et bien on a notre base, et en plus de ça, dans la pose que l'on souhaitait. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes situés dans le triangle des Bermudes. Ouais, j'ai pas trouvé plus original. On a vu que certaines teams étaient déjà bien armées, mais surtout que l'on était entouré par beaucoup de voisins, donc on va décider de la jouer stratégique. Le supermarché était à quelques mètres de chez nous, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore me fight dans ce genre d'endroit. Et ça va payer. Oh, ils se fight. Ils se fight entre eux, frères. Ça sonne ? Non. Oh, moins deux. Nice. Moins trois. T'es bon, monsieur. Bah du coup, je rentre à la base, j'arrive avec toi. Hein. Viens. Ramène ton boule qui chamboule des veilles. Ok, j'arrive. Là, je suis un peu loin, frère. Ouais. Bah, ils ont de la merde, mais ça passe. Ouais, je suis loin. Ils ont Arcapouli, j'ai 3 arcs. En fait, j'ai 3 tuyaux métalliques aussi. Let's go! Ouais, il est ici. Oh, ils viennent de rentrer, mec. On y va accroupi, on reste caché dedans, on garde la ligne à la. On en a un easy. Hein. Est-ce que c'est derrière moi ? Ouais, wow, mais je suis à côté de toi. Fais gaffe, je vois pas, hein. On garde juste une ligne, ne se tape pas la tête. Derrière toi. Demain. Nice. À droite, je crois. Ouais. Ah, il m'a tué. C'est dur. Demain. Fini ton pépé, ton... On attend, vite. T'es relevé ? Oui. Waterpipe. Mets-toi bien. Attends, mais gros, y'a pas de sérieux. Mets-toi bien sur la suite. On se casse ça, merde. Oh, seringue. Moi aussi. Hein ? Mets-toi un stuff. Oh, deux mecs ! Oh, je les ai vus en coup, c'est ça, merde. Mec, impossible, on sort. C'est quoi, on y va ? Faut récupérer le... J'ai le récupère, c'est bon, on se casse. Mais on se casse. T'es full ? Ouais. Finis ton pépito, qu'est-ce que c'est ?
Putain, gros. Aussi. Oh, c'est un P5 de partout et tout. Bien joué, gros. Oh, yo, yo, on est bien, là. Hein. Ah, voilà, il suffisait d'un petit truc pour se mettre bien. Parfait, nos premiers fights se passent plutôt très bien et on commence à prendre de plus en plus d'avance sur nos voisins. Cependant, plusieurs teams autour de chez nous étaient déjà bien armés malgré le White BP et notre prochain objectif était très clair, récupérer une arme à feu sur nos voisins. On sait pertinemment que c'est la team la plus armée qui s'en sortira le mieux et on a déjà notre cible et elle est très proche. Est-ce qu'il va baisser? Est-ce qu'il va... Passe pas trop près. Je fais semblant de m'éloigner. T'as pas un truc pour taper du bois ou n'importe? Non. Tire un ou deux là? Eh ben, j'ai plus de bonnes. Oh non! Oh, il ouvre, il ouvre. Tu l'as donné? Il sort, il sort. Première porte. Nice, on a une Tommy, frère. Nice. Fais gaffe, fais gaffe! Tiens, 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 tiens. Débouche. J'ai 1000 dB. Il est sorti. Il est mort, il est mort. Nice. Voilà. Voilà. Ah, Jimmy, Jimmy. Oh putain, mec, tu sais que j'avais ma sens vide et rapide là. Ouais. T'as l'arc. T'as galéré. Non, 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 je l'ai instant, mais. Ah, dépêche. Ah, mais ils sont chauds. Ah bah ils savent où on habite hein. Oh, let's go putain, deux Tommy. On pourra en sortir une du coup. Hop, j'en mets une directement dans la table. La vie de ma mère, je sais pas comment j'ai fait mon tir. Gros, il m'a mis pour... Il a la tiré en premier en plus hein. Mais what? Le mec il m'a fait trop peur. Moi je récupère mes dents. Tiens TV. Et tiens ça. Bon, encore un, encore à droite. Voilà. Le mec. Ah y'en a qui okay, est mort lui. C'est encore les mêmes hein. Ouais. Ok, il nous donne des rêves en plus, parfait. Voilà, ça fait... Mais par contre, je suis encore 5 HP, frérot, voilà! Touché, full chargé, à gauche. Ok. Ah, il fuit. Il va faire une... Oh, ils se sont fait Tommy, ils se sont fait Tommy! Il va chercher une Tommy, pire, non? Ouais. J'ai 25 HP, hein. En gros, la Tommy elle a fait un carnage. Il va tout looter, sinon on les attend à leur base. Hein. Dis-moi quand il loot. Il loot. Full chargé. Hit. Hit encore. Et mort, il est mort. Je couvre leur base. Y'a un mec qui vient de sortir, gros. Allo. J'arrive, j'arrive. Mort. Nice. Je couvre les autres, ils ressortent. La mort. J'ai du tout gros, casse-toi. Ça mort marche. Encore. Nice. Oh putain, gros. Je suis un farmer. J'ai deux MP5 Intomi. Ok. Oh mec, on carry, c'était sûr. Bah va looter le reste hein, si tu veux. T'as des trucs? Ou j'irai, on sait jamais. Parce que j'ai 27 HP. Ouais, vas-y. T'as mort? Pas vraiment. Bah en gros, le mec que t'as oh, vu... Ouais, ça arrive, arrive gros. On fait quoi? Bah, regarde où je suis. Enfin, ça arrive, je sais pas s'ils viennent. Ils essaient de courir vraiment, non? Non, je pourrais pas, je pourrais pas. Ils vont monter, ils vont venir là maintenant.
démarre. Ok. Je suis dans la tour. MP5 encore. T'es où là? Ok. Moi j'ai la tour, t'as vu la première tour là? Merci beau gosse. Bon, on continuait parfaitement notre progression. Niveau armes, on s'en sortait vraiment bien, mais il allait falloir commencer à penser à notre base. Nous étions toujours dans notre starter, et par rapport à nos voisins, la différence commençait à se faire ressentir. Du coup, une petite session farm s'impose. Vas-y, je fais... Ouais, je fais tout, vas-y, balai, quoi. Ah, franchement, on a bien start, je suis content. Je suis content. J'ai encore plus motivé, là. Ah, je sais pas que t'étais dehors. Ah. En vrai, c'est ce qu'on pourrait se faire aussi. Genre là, je farm le métal, la pierre, tu vois. Et au lieu d'agrandir la base, je fais déjà les TCMC. Et au moins, on fait le programme directement. Ouais, ça évitera que les gens veulent venir nous. Ouais. Au moins, même, ouais. On sera bien poussé, on pourra avoir des infos. Ouais, j'avoue. Un mort. Ok, je reviens. Deux morts. J'ai 3 balles. Il en reste un. Ouais. J'ai pas de balles. Je l'ai fini, gros. J'en ai fini un. Il en reste un, j'ai pas fini. Bon, il est bon. Viens. T'es mis une seringue derrière toi, frère. Oh, putain, je suis mort. Il m'a instant. Il y a un naked sur la droite, fais belle. Il est mort. C'est bon, tous morts. Ah, j'ai eu peur que le naked à droite, il nous pousse DB. Là, j'avais beaucoup d'armes sur moi, c'est tabou. Oh, gros ça, merde, je suis fou. Je rentre. C'est devenu au plus vite. Non, mais même Tommy, en fait, j'ai pas vu, j'ai paniqué pour rien. Devant l'arbre, là. Il est Steph, contacte-toi, derrière l'arbre. Là. Merci, mon gosse. De rien, BG. On passe en HQ en plus. Ah, tu gagnes. Ah non, encore un. Oh, il m'a tué, gros. Oh non, il est naked. Fais gaffe. Tu l'as eu? Bien joué. Tiens, frère. Je drop des boîtes. Oh, blindax. Oh merde, bah, j'ai looté. Il avait 87 scrap, du tuyau métallique un peu plus. Enfin, son inventaire il était plein, c'est pas rempli de 1600 de souffle. J'ai 2 lignes de scrap, c'est impeccable. Il y a presque 2 lignes. Non, on se met bien là le chat. Ouais. On va faire le coffre. Oh, les arcs, on les jette, ça y est. Wow. Bon, après une soirée très bien maîtrisée de notre part, nous avions réussi à contrôler une très grande partie de la zone. Mais désormais, on va décider de passer aux choses sérieuses avec la plateforme pétrolière. On sait que grâce à l'oil, les BP et armes que l'on ne dispose toujours pas seront bien plus simples à récupérer sur place. Du coup, on passe à l'airfield récupérer la carte rouge pour ensuite directement enchaîner. Ok, port de garage, j'ai... Je tape le barre. Vas-y. J'ai déjà écouté les caisses, moi. Il y a que ça. Plus lourd. Petit SMG. Ouh. Oh, lourd. Carte rouge. Même la caméra, lourd, hein. Vas-y, bah viens, on va jeter l'airdrop hein, dès qu'on peut. Vas-y. Je vais prendre le fusil. Quoi, tu veux le jeter à la base? On va voir, hein. Viens, on va déjà safe. Au pire, on peut aller loin dans la.
Genre dans l'île P2 ou n'importe, et on farm en même temps. Oh, oh ouais, ça va. Viens, on retient le temps qu'il part, non ? Une fois la carte rouge ainsi que la drop safe à la base, on décide de directement aller à la bandit camp afin d'acheter un hélico. On en avait vraiment besoin puisque les plateformes étaient à l'opposé de notre base. Du coup, on mise tout sur cette première mission. Je suis déjà full par contre. On active ou quoi? Ok, là on est bien, là on est bien. Oh, poc poc. Oh, nice. Nice. Oh, gros portail en pierre et tout là-bas, mais je peux pas loot. Oh, regarde, oh, ça va. Nice. Ça va, ouais, ça va. On venait clairement de faire l'all rig en 15 minutes chrono. Certes sans counter, mais vous allez voir que l'intensité va se faire ressentir à partir de maintenant. Les teams commençaient à avoir de plus en plus d'armes, et on commençait à entendre pas mal d'explosions. Niveau armes, nous n'étions pas à plaindre, cependant, il nous manquait la T3 pour pouvoir entamer les choses sérieuses et pouvoir raid. Du coup, on décide de se faire le lunch qui est très proche de chez nous, pour pouvoir crafter la T3 et directement enchaîner. Oh ! Quoi ? Regarde mon stream. Je suis déçu en plus. Ah d'accord, la merde. Oh, LR c'est cool. Ok, ça va. Il y a pire, il y a vraiment pire. Oh, je viens de mettre un turn, frère. Je me casse, hein, j'ai failli die. Ok, money. 720 scrap, gros. Let's go. Bon, bah, du coup, on a la T3. Notre première journée sur le serveur s'était donc très bien passée. Nous avions donné toute la nuit et autant vous dire que la journée sera bien plus intense que la veille. Dès la matinée, on décide de s'occuper de la base afin de la safe un maximum et vous allez voir par la suite que l'on a bien fait. Notre première sortie va également être rentable puisque deux gros farmers vont nous offrir l'entièreté de leur loot, donc c'est bénef. La large olerie venait tout juste de spawn et notre hélico de la veille toujours présent. Et vous allez voir qu'une situation va totalement chambouler la suite de notre way. C'est le pire, mais c'est le pire truc au monde. C'est le pire truc au monde, il a fait le pire truc au monde. Mais il a fait la pire idée, wesh. Il nous a fait la pire idée. Ah, je leur fais pas en sens. Oh mais gros, je suis collé en bas, frère. Bah ouais, bah regarde-moi en fait. Mais y'a rien là. Ah oui, si, ok. Hey, quand t'as deux qui sautent. 1, 2, 3, 2. Allez, tu sautes, nique ta race. Tu vous dead? Jure. Mais gros, je suis comment là? T'as fou. Hein? Non. Elle court, saute. Je ferme la porte, viens, viens, viens. Attends. Ah, ils vont finir. Viens. Ouvre. Ouvre. Oh, non. Mais relève-moi. Ils vont rentrer. Mais non, ils peuvent pas ouvrir la porte. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde, tu te soulèges.
Oh putain, le mec qui a mis 54 dans win, il doit être en panique, sa mère. On dit t'es vraiment beaucoup, hein. Hélico, hélico, hélico sauce. Oh, j'ai défoncé un. Il en reste encore un. Ouais. Il s'est posé. Ouais. Il s'est posé, gros. Ouais. Attends, je suis pas du tout avec toi, hein. Non, on va mort. Nice. Let's go. Voilà. Mec, ils ont placé son face mask, Tommy, gros. Il y a un smart. Ah, tenue de plongée, il y avait un mec à ski dans mon chat team. Hélico. Ouais. Ils sont deux. Un sur la boule. Il y en a un sur la boule. En bas mort. Nice. Il reste le mec sur la boule, mon ref. Là, il peut te piquer, le mec de la boule. Il a un visu sur toi. Non, 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 il a pas dit. Non, non, frère, je suis en dessous. Ok. C'est toi là qui tire, hein. C'est le bot, mais je sais pas si t'es sur moi. Je l'ai headshot. Il est quelle arme, mec, sur la boule? MP5, je crois. Il est mort. Bien joué, gros. Y'a un hélico, hélico. Hélico qui arrive, moi. Full lourd, full lourd, j'ai pas vu. J'ai pas vu que c'était des full lourds, je suis mort. Ah. J'ai pas vu que c'était des full lourds. C'est pas grave, bon, en vrai, on s'est amusé, c'est pas grave. Ouais. Vas-y, je pense que j'ai préparé pour aller raid, hein. Dommage. Je monte sur le roof. Oh, ils ont mais y'a des mecs qui sont montés et tout sur notre toit. Oh, y'a un mec full, gros. Ah ouais. What? Vraiment full sa mère, hein. Oh, j'arrive, t'es où? Bah j'ai looté. Ouais, oh mais wesh. Non mais attends, y'a un bug, je sais pas si c'est pas normal, hein, gros, ce qu'il y a là. Mais on s'est fait raid, on s'est fait taper, on s'est fait raid. C'est vrai qu'on était pas là. Oh non. Mais non. Si, gros. Regarde. Ils ont le coffre compo. Non, mais ils ont tout eu là, non? Non. On avait fermé. On avait fermé. En vrai, ils sont tués, je crois qu'ils ont. Non. En vrai, on a bien fait de mourir, du coup, vas-y, cours, fermez vite. Ils ont eu que ça? Ouais, ils ont eu tous les compos. Non, mais t'inquiète, gars. J'ai tout. Tout. Faut vite refermer, hein. Tu refermes ou pas? Bah non, je loot tout, moi. Toi, referme. Tiens, tiens, tiens. Ouais, après un mois d'absence, j'avais carrément zappé que dans Rust, tout peut jouer à quelques minutes près. Et on vient clairement d'en avoir la preuve. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Une fois la base refermée, nous étions motivés à rattraper le coffre de compo que l'on venait de se faire voler. Mais comme un timing parfait pour nos ennemis, au moment où nous étions à l'airfield, mon mate crash, puis au même moment, une explosion. Bon bah il m'attendait de toute façon, j'étais mort à 100%. Tant pis. Ouais, je préparais le raid, tant pis, ça m'a saoulé. Tant pis. Oh! Oh non! Oh non, mais wesh le timing! On se fait raid, appelle sauce d'Ibico, on se fait raid, hein. Pas réparer. Les bâtards. Aïe.
Oh putain, ce fil est pas là. Ah, il m'instante en plus, c'est chier. J'ai même plus de bed. Ah, c'est mort. Ouais, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Putain. Bon, ce genre de situation m'est déjà arrivé des dizaines de fois, et je sais très bien que ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Bien au contraire. Nous avions leur nom, et notre vengeance s'inscrit dès à présent dans nos esprits. Désormais, on a un réel objectif, et on va tout faire pour le réaliser. Sauf que ça ne va pas être aussi simple que ça. Après avoir construit une toute nouvelle starter, celle-ci ne va vraiment pas tenir longtemps. J'ai AK MP5 là, mais... Ah ouais, on se fait péter ? Ouais. Oh. Essaye de prendre 1000 de bois pour une armoire dans le sas, gros. Je peux pas du tout, gros, il pète par le toit. Ah, par le toit ? Ouais. Ouais, c'est mort. Hein. Oh non... Mais vous allez voir que c'est un mal pour un bien. Je décide de retourner à notre toute première base qui était grief, mais qui était en train de decay. Et mon call ne pouvait pas mieux tomber. Fais gaffe, chaud du tout. Bon montage. Mais bon, lui laisse-le. Voilà, j'ai bien. Oh, ils vont nous revoir débarquer, gros, ils vont chier. Oh. Attends, je vais remettre un sol ici. Non, oh, remets un truc là, c'était bien. Je crois qu'on allait se faire baiser comme ça ou quoi? Yes, let's go. Ok, attendez. Cours. What? Ok, j'ai bien fait ça, merde. Ok, attendez, c'est scripté, c'est pas possible. C'est scripté, c'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi on a récupéré cette base. What? Tu viens de voir ce qui vient de se passer ou pas, Pioui? Ouais, j'étais sur le live. Ah, c'est bien. Frère, comme par hasard quand je lance le stream. Ah bah c'est bon, on peut faire notre vengeance. Oh my god, yo le stream, comment ça va? Eh bien voilà, il ne fallait pas grand chose pour relancer notre motivation. Au niveau du soufre, on n'avait vraiment pas à se prendre la tête puisque nous étions dans le nord. Et la T3 devrait très vite arriver. Notre objectif est clair, tenter un raid en duo sur nos voisins avant la fin de la journée. On va donc devoir mettre les bouchées doubles, et même si l'on sait que l'objectif sera difficilement atteignable, on veut à tout prix leur montrer que même à deux, on a le mental pour les raids. Je crois qu'il en reste un là, T. Parfait. Oh, let's go, putain, un bolt. Encore un PC, ça c'est bien. Ok, on a la carte rouge pour le rig après, c'est parfait ça. Faut que je fasse gaffe maintenant parce qu'on me campait à chaque fois. Ok. Dis-moi que c'est good. C'est good, parfait. Ok, nice. On va être zaf. Y'a une tronçonneuse ou quoi? Y'a Hatchet bricolé, j'ai vu, mais après tu peux te faire une tronçonneuse normalement. Wow, j'ai des ces frises, gros. Une fois la T3 posée, on décide de passer à l'étape supérieure.
Avant de se faire raid, Sauce avait réussi à prendre la carte récupérée au lunch, et moi les roquettes H20 ainsi que le lance-roquettes. On est à quelques mètres du site de lancement, donc on décide de partir faire le tank pour avoir une chance de récupérer des explosifs. On sait très bien que l'on se fera beaucoup counter, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on décide d'y aller à K. Du coup, à nous de jouer. C'est ici, hein, pour monter. J'ai juste fermé les portes de gros parce que sinon... Et pour se casser, t'inquiète, j'ai deux fumis. Ok. J'ai pas de flashlight, hein, je te le dis. En vrai, ça va. Mais pourquoi Ah ouais, tu t'en es pas fait, merde. Ah non. Tu veux que je te donne la mienne? Comme tu veux. J'ai un rocket launcher au pire. Vas-y, vas-y. Merci, frère. Je descends, du coup. Shot double hit. C'est ce que je vais faire. Ok, toujours pas, c'est pas, je peux pas du temps. Ah ouais, faut même pas se préoccuper de lui. J'ai envie qu'il fout dans les fumis. Je l'ai shot là, derrière. Dans mon dos aussi. Je suis pas mort, j'ai un HP, frère. J'arrive, je vais tuer celui-là. Tire, vas-y, continue. Derrière. Comment je suis bien. J'ai 9 HP, grand. Je suis bien. Je vais planer. Ah, lui, il est chiant. Il est mort en bas. Ok, il y en a encore un deuxième, fait que bête. C'est qui la casse, toi? Mort. T'es mort ou pas? Mort, ouais. Casse les couilles, gros! Il met des trucs, gros, je comprends pas. Trois morts, gros. Ok, nice. Je suis vite, gros. Les deux, tout le monde mort, je pense. Ok. T'as tué le mec en haut? Il est descendu. Je me cache, je te laisse ton loot, ok? Ouais. T'as réussi à looter le tank? Ouais, j'ai le tank, j'ai 2 C4 et tout. Mais 2 C4, 3 roquettes et 5... Ah ouais, 5 roquettes à incendiaire aussi pour le redon, gros. Silencieux LR, je crois. Let's go! Ils ont quoi? Ils ont quoi? C'est Billy. Silencieux, ça. Après, tu pourras mettre ta. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est pour ça que ton truc est bug. C'est parce que je pense que t'as. Truc. Sombré. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'avant, c'était ce matin, c'était bien. Là, comme ça, c'est bon? Ouais, là, c'est bien. En fait, mon truc, il s'enlève tout seul. Il est tout nu, lui. Ça va, finalement, j'ai pas trop perdu mon shoot. En vrai, si, quand même. Ah, si. Oh, mec, je suis rentré, hein. Ils sont full 400 de lolo et tout. Dis-moi dès que t'es pris, je pourrais l'instant. Hein. Ouais, bah, si je peux l'instant, t'as sent-le. Ah, il se casse, deux. Un mort. Il se casse vers où? Ok, nice.
Je vois pas à droite. Non. Nice, j'ai dodge. Encore un mort. Deux nice. Oh mec, bah il est full, il vient de looter. Bah ouais, attends, viens. Bah full arme, ouais. On va devoir rentrer. Vas-y. On peut pas s'y attendre. Reviens juste un peu vers la base. J'espère qu'ils entendent pas, tu vois. Je te fais un full lourd aussi, de toute façon. Yes. C'est eux là qui raident, ouais. Ouais. Parfait. Ils vont roquette, frère, ils vont roquette, fais gaffe. Mort. T'es monté, t'as fait quoi? Je suis là-bas, j'ai tout. Il est tout seul? Ouais, vas-y, je cover. Ah oui, son mate, il est dehors, j'ai l'impression. Bah ouais. Je cover au toi. Tu cover? Ouais. Tu mets full lourd au cas où? Non, c'est bon. On a vraiment tout là? On a vraiment tout, gros. Ah ouais? Ah oui, mec. Tu restes là, je vais faire les transferts. Ouais, vas-y. Y'a le mec qui s'est fait gaffe. Hein. Attends, une roquette ici. Attends, je cherche juste du bois pour mettre une armoire en fait. Ouais. Elle moi, est là l'armoire, hein, mais moi je la pète et je mets du bois. Ouais, tu mets une porte. Il est mort le mec. Nice. Bon, après deux jours de wipe et cette ferrette deux fois de suite par la même team, l'heure de la revanche avait sonné. Cependant, ils sont au moins trois connectés et nous sommes seulement deux pour tenter de réussir notre mission. En plus de ça, on compte réaliser un top down, donc on n'a clairement pas le droit à une seule erreur. Le défi risque donc d'être très compliqué, mais on n'a qu'une parole, donc on va la tenter. Et on va commencer par détruire un maximum de tourelles. Je pense que je fais des dégâts là. Ouah, il m'a instant. T'as vu ce qu'il m'a dit? Je vais mourir. Non. Y'a un mec dans mon dos. Je me fais roquette, wesh. Jure. De la base, Wesh, il est où? Ouais, j'ai génoscope, je sais pas, j'ai tiré sur qui, je l'ai défoncé. Oh mais attends, il m'a enlevé 10 HP en fait, vu que je suis en full lourd, je suis mort. Oh putain, mais gros, j'ai jamais full lourd, c'est pareil, j'ai rien à faire. Ouais. Oh, il est bloqué de sa mère. Bordel. Oh shit. J'arrive. Bon, comme vous pouvez le voir, actuellement c'est vraiment la merde. Donc je décide de prendre une décision.
Sauce me ramènera sur le toit de la base que l'on souhaite raid. Je devrais donc gérer seul durant quelques minutes le top de leur base, pendant que mon mate ira chercher l'ensemble des roquettes nécessaires pour le raid. C'est une des missions les plus compliquées que j'ai dû faire, car on n'a tout simplement qu'une seule chance. Du coup, on croise les doigts. Je te dis si on a une dans ce toit. Y'en a une, sûr. Ouais, y'en a une. Sur la colline, y'a le pousseau, là. Ok, tu sais. Ok, parfait, c'est bon. En haut, c'est tout safe. Je suis là dans 100 secondes. Hein. Ok. Mais fais belle avec le gars. Dans une réduction. Là, faut que je respawn. Hola, je suis là, I'm here. C'est bon, je l'ai tué, faut que tu aies, gros. Faut juste le spawn, là. Mais toi, full lourd, hein. Toi, tu viens, par contre. Ouais. Prends, genre, une ligne et demie de roquette, ça devrait suffire. Ouais. Ah, mort, vas-y, c'est bon, là, il y en a un qui a une cooldown. Je l'ai tué. Tu m'as dit combien de... Je parlais de C4 et une ligne de roquette. Ouais, une ligne et demie de roquette. Genre là, genre... Ah, il a déjà respawn. Putain, mec, il a des vrais lits. En vrai, il joue pas roquette, c'est une matchose. Vas-y, balance. Les deux C4. Tu les as? Ouais. Ok. Oh non, putain, c'est pas grave. Je sais pas que c'est notre ami. Ils peuvent avoir des petits triangles là, fais gaffe. Hein. T'as pas pris d'incendiaire? Non. Oh, gros, c'est une galère, ça base. Il m'a pas eu, fais gaffe, viens, reste pas collé à moi. Le rôle, c'est des bails sur le gars. Bah. Il est mort. Gros, t'es pas sûr, donne-moi les C4, je vais les utiliser parce que gros, faut qu'on les utilise. Fais gaffe, ça vous fout le. Je... T'inquiète. Ah non, c'est des tourelles, il y a... Non, mais nous... Non, tu peux pas du... Je vais mourir. Voilà, c'est la merde. Là, c'est la grosse merde, parce que pour me looter, frère... Ouais. T'arrives à prendre l'hélico, à venir en 2-2 ou c'est mort, là? Ça peut être possible, mais il va monter sur vous. À partir de ce moment précis, la mission commençait à réellement se corser. Sauce se retrouve seul face à 3 personnes, et moi bloqué car je n'avais aucun moyen de le rejoindre. Malgré le risque, Sauce va réussir à m'amener l'hélico pour que je puisse me restuff et reprendre des roquettes, mais plus rien ne va se passer comme prévu. Une team qui attendait sur la montagne va m'instant, pendant que j'amenais les roquettes, et Sauce qui était juste au-dessus de leur salle des coffres entièrement open, va se faire roquette par des mecs de la base. Bon, malgré cette fin qui aurait pu être triomphale, après mon retour de 1 mois de vacances, mon web se sera très bien passé et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai essayé de vous montrer à travers notre aventure qu'il ne faut jamais lâcher et quoi qu'il arrive, vous aurez toujours l'occasion de vous venger tôt ou tard. On aura tenté une mission quasi impossible et malheureusement, ça ne peut pas passer à tous les coups. Sur ce, ça m'a fait trop plaisir de reprendre les vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'était Raven. Ciao.